Si vous aimez les contenus que nous publions, abonnez-vous à notre chaîne en cliquant ici, puis activez la cloche de notification. N'oubliez pas de les liker. À bientôt! Bonjour à toutes et à tous. Le Bénin, avec ses multiples efforts pour mettre sa population à l'abri du coronavirus, a obtenu le mercredi 16 février 2022 l'équivalence européenne de son certificat COVID-19. Suivez l'actualité de la COVID-19 sur notre page YouTube. Le coronavirus continue de sévir malgré l'existence de vaccins. À la date du vendredi 18 février 2022, mondialement, plus de 420 741 000 personnes sont confirmées au coronavirus. Plus de 342 787 000 ont été déclarées guéries. 5 883 000 en ont succombé. L'Afrique reste la moins touchée par la pandémie. Elle compte à ce jour plus de 11 131 000 personnes contaminées. Au nombre de celles-ci, plus de 10 149 000 ont recouvert la santé et environ 245 664 14 personnes en ont perdu la vie. L'UE a adopté l'équivalence des certificats COVID-19 de vaccination, de tests et de rétablissement délivrés par le Bénin. À ce jour, sur le territoire, 26 309 personnes sont déclarées atteintes du COVID-19, 25 506 en sont déclarées guéries, 640 encore sous traitement et 163 le nombre total de décès. Ainsi s'achève cette randonnée liée à l'actualité de la COVID-19. DBM, réussir l'instant. Otep. Réussir l'instant. DBM, réussir l'instant. DBM, réussir l'instant. Instinct leader.